ça suffit. Ça. Non, Saint-Martin, il a été là pour manger là-bas. Eretz HaKodesh. Saint-Martin. Il y a tout ce qu'il faut. Ça s'appelle Saint. Voilà. Mais là ou pas non, non, il est Saint-Martin. Moi, je suis là dimanche pour entendre faire non, pourquoi non, il a changé le nom. Martin, comment ça s'écrit Saint-Martin maintenant? C-I-N-Q. Shabbat Kodem Apurim Nikret Shabbat Zachor. Zachor. Donc le Shabbat avant Purim, on a dit déjà, on va le plus le. Il est appelé Shabbat Zachor. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de lire la paracha. Kitetse Zachor et Asher Asalech Amalek. On a parlé de ça le dernier cours. Souviens-toi de ce que tu as fait. Amalek. Alors plusieurs. Raison était donnée pourquoi est-ce qu'on va lire la paracha de Zachor avant Pourim. Première, parce qu'il y a écrit dans Megillat Esther, Vayamim ha'ele niskarim benasim. Ces jours-là sont niskarim, des souvenirs, benasim, et ils sont faits. Donc c'est quoi souvenir? Il dit Vazechira, ikriat Zachor trila. Pour se souvenir, la Megillat Esther c'est quoi? Encore une fois, on avait dit Aman c'est qui? Aman Agagi, il vient de qui? Amalek! Et donc Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Aman. Megillah, c'est Aman. Donc ça commence, la Zechira, le souvenir, il commence avec Parashat Zachor. Donc là, on a compris, ils ont compris qu'il faut se souvenir déjà avant, il faut commencer à se souvenir avant Purim. C'est quand c'est Vayikra? Cette année? Non. Bon, oui, non. Il y a deux Adar. Attends, là ça va être Pekoudé. Pekoudé, la semaine après, Vayikra. Vayikra. Non. Ouais. Vayikra. Non, oui, Vayikra. Et après c'est ça. Et oui, c'est Vaïkra, Vaïkra. Non, Vaïkra, Vaïkra. Julien, c'est pas de l'à peu près. Pas de l'à peu près, monsieur. Deuxième raison. Deuxième raison. On parle d'entrecôte et tout, on t'appelle si t'es pas. Deuxième raison. Pourquoi on fait Parashat Zachor pour rien? Qui est Aman Racham, c'est Ramalek. Comme on me l'a dit, parce que Aman, de qui il vient, Rabbi Moshe? De Amalek. De Amalek. Troisième raison. C'est la Gematria de Safek, je crois, non? C'est ça? Oui, mais troisième raison. Pourquoi est-ce qu'on fait pas Zachor avant Pourim? Se préparer toujours le juif, il doit se préparer. Non, il se parle de Zachor, pourquoi? Ah, se rappeler. Alors il dit Gamba'a, Kriyatach, Reshabat Shkalim, Kedelechaper al-Avon Aegel, Shaman Kitregalam. Aman, il a été Mekatreg, dit le Midrash, sur la faute du Aegel. À chaque fois que nos ennemis ont voulu nous faire du mal, ils rappellent nos fautes. D'ailleurs, il y a une grande religion qui s'est grande par sa taille, qui s'est inventée. Christianisme. Ouais, christianisme, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Toute la base du christianisme, qui s'appelle, il s'appelle, donc ils ont appelé ça même le Nouveau Testament, ouais. Le Nouveau Israël, il s'appelle Israël. Eux, ils disent que c'est l'Israël. Ouais. Eux, ils s'appellent Israël, c'est le Nouveau Testament. Et pourquoi? C'est quoi la base? C'est qu'on a fait le veau d'or et qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant on est appelé le Juif errant. Dieu nous a abandonnés, nous a reniés comme fils, et il a un nouveau fils. Voilà. Donc ça a été de tous les temps. Et c'est ce qu'il a dit à Aman. Aman, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il pensait. Ok? Alors, écoutez bien. Le Rambam. C'est là qu'il a dit, je touche du bois. Mashinistavnu be mitzvah zoshel kriyat zachor sefer Torah betzibur. Ok, zachor. Et tu vois qu'on a une mitzvah de le lire à la synagogue, dans un sefer Torah. On sort un sefer Torah. Katava Rabbam, le Rambam vient nous dire pourquoi. Pourquoi Ma'atam, pourquoi on lit ça Betzibour? J'aurais pu dire, chacun il doit se rappeler. D'accord. Le Yom Rishon, d'accord, avant Pourri, mais bien, chacun il se rappelle à la synagogue, le Rav il passe le monde, ou le Chazan il vient, et il dit, on se souvient tous de Amalek, et tout le monde répond, comme on dit à chez moi Elohim, Zachor et Machad Rav, et c'est fini, on a fait le Mizvah. Pourquoi on fait ça, hein, avec Sefer Torah, Otsad Sefer Torah, on fait sortir un Sefer Torah Betzibour. Là, ma Hanouka, il n'y a rien à Hanouka. Non, pour dévoiler le miracle. Ah, est-ce qu'on lit? Ouais. Donc, quand tu lis, tu sais, c'est la célébration du Mishkan. Bon. Là, c'est Zachor. Ouais, il est pas énervé aujourd'hui. Ouais, ouais. Je dormis tard, mais m'énervez pas, je dormais 4h du matin. M'énervez pas. On dit rien. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Nous? C'est qu'on éclate comme les gars. Nous? Matam? Pourquoi on va s'enfuir un Sefer Torah, on en fait toute une salade? Si vraiment il faut se rappeler, ben qu'on se rappelle. On a qu'à faire un kiddush. Ouais, c'est la libération, là. Ah oui, ça lui parle, hein. La libération. Alors il dit, écoutez bien, c'est tellement, tellement important ce qu'il y a écrit dans la Torah. Zachor et ma et Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek. C'est tellement important. Et c'est pas simplement
Il y a 25 ans, il y a 40 ans, il y a 2000 ans, il y a... Non, non. Chol dor vador. À chaque génération. Chaque génération. Alors, il dit, pour ne pas que la haine d'Israël envers Amalek puisse diminuer. Parce qu'on l'aurait oublié. Bon, là, on aurait dit, c'est folklore. On aurait dit, bon, c'est juste pour se rappeler. Non, 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 c'est un grand ignat. La manière que Shabbat, tu respectes le Sefer Torah. D'ailleurs, tu parles même pas quand le Créateur Torah. Ça va pas. Non, j'ai même pas pensé à parler quand le Sefer Torah est sorti. Tu parles même pas quand le Khalil est ouvert. Tu vas pas la tête, Chas v'Shalom. D'accord. T'as compris? Jamais, jamais tu parles. Non, mais y a pas, tu parles pas pendant que tu as ta Torah. Tu fais très attention. Mais c'est pareil. On va sortir un Sefer Torah et là, ouais, tu vas dire Manishtana. Ouais, c'est important. C'est très important ce Sefer Torah pour ça. Pour que la haine d'Amalek ne doit jamais, jamais se quitter le cœur juif. On doit haïr Amalek. On se souvient tous les jours, non? Comment? Bien sûr, mais là on a. Ouais, exactement, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Mais il n'y a pas, c'est pas. C'est pas. Voilà. Voilà. Mais gamme la date. Qui colle à Metzer l'Israël, ça nouille les fanaïs barab, les filles ra'ato qui m'a pas la tombe. Et pour savoir que celui qui haït Israël, qui est du mal à Israël, alors celui-là, il est haï par Dieu, et Akadash Rou s'occupera de lui. C'est pour ça qu'on dit que. C'est pour ça qu'on dit que la différence entre Amalek et tous les autres peuples de la terre. Pourquoi Akadash Rou, il était makipit d'Afka sur Amalek? On a expliqué le cours dernier, d'accord? On a expliqué un petit peu ce qu'on a dit, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans une autre dimension. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que d'Afka. Amalek, on doit avoir une haine contre lui. Et on doit même le rayer de la carte. Amalek, le peuple d'Amalek, on doit le rayer de la carte. Aucun autre peuple. D'accord, on a eu des ennemis. On leur a fait la guerre. Mais on va pas le rayer de la carte. Vous comprenez? Mais on te dit même des fois, demande d'abord la paix. On te dit avant de faire la guerre, demande la paix. Amalek, il n'y a pas de paix possible. Amalek, c'est la guerre totale. C'est la guerre nucléaire. Il ne faut rien laisser. Comment? Amalek, c'est Dieu qui vit, c'est pas le peuple juif seulement. Ouais, d'accord, c'est vrai. Emmet. On dit qu'Amalek ne peut pas cohabiter avec Dieu, qu'il n'y aura pas de dévoilement de Dieu. Yevcha, parce qu'on a dit ça, c'est le cours dernier. Il a fait. Mais encore une fois, quelle différence entre Amalek et les autres peuples? Il explique les Chachamim, écoutez bien, que toutes les guerres d'Israël, dans l'histoire d'Israël, du Ham Israël, toutes les guerres qu'on a fait, même que ce soit Paro, même Pharaon, d'accord? Non, il avait. Paro, il n'avait pas, entre guillemets, une haine. C'était par intérêt économique, par intérêt territorial, par intérêt de. Par ego, ce que tu veux. Alors c'est pas bien, ok, on se défend. Aval, ils n'avaient pas comme but la haine du juif et de l'année entière. Ce qu'ils ont fait, les marchémas Hitler et tout le marchémas Vezikham, d'accord ? Solution finale. Et les Ukrainiens. Voilà. Et les Ukrainiens, les Croates aussi. Il n'y a pas que les Ukrainiens qui ont massacré. Les Ukrainiens sont encore plus antisémites que les Allemands, comme on l'a dit. Plus antisémites que les Allemands. Ce qu'ils ont fait. Les plus cruels dans les à Auschwitz, tout ça, c'était les gardiens ukrainiens et croates. C'était les plus cruels, il n'y a pas eu comme eux, plus que les Allemands encore. Ils ont dépassé les Allemands. Bref. Et ça, voilà, comment tu reconnais Amalek? Encore une fois, tu fais avec d'autres peuples, ils veulent un territoire, ils veulent des richesses, d'accord? Ok. Amalek, tu le reconnais comment? Parce qu'on veut jouer Amalek, il n'y a pas un peuple d'Amalek. Amalek, il y a un petit peu partout. Il veut juste détruire les Juifs. Écoute bien, Amalek, parce qu'on a dit quoi Amalek? C'est le Satan, c'est le Tzarara, c'est le Mahamavet. On avait dit le Satan, le Tzarara, c'est comme un microbe. Il est capable de se tuer lui-même pour tuer la personne. Tu reconnais Amalek, c'est qu'il est capable de se tuer lui-même, se perdre à lui-même. Il est capable pour tuer du Juif. À partir du moment où tu as un ennemi, kamikaze, palestinien, kamikaze qui se fait exploser. C'est exactement ça. Ça, c'est Amalek. Amalek, il est capable de se tuer lui pour tuer un Juif. Toute sa famille est capable de donner en pâture pour tuer un juif. Un peuple, une personne qui est capable de tuer lui-même, de se perdre pour pouvoir anéantir l'âme d'Israël. Alors ça, tu sais que c'est un signe que c'est Amalek. Après les guerres, on a toujours eu des guerres. Oh, c'est des guerres. Non, Amalek, il est prêt à sa perdition à lui parce qu'il le sait de toute façon. Amalek, il le sait que si le monde n'a pas Israël, si le monde ne contient pas Israël, le monde, il n'a pas de sens. Bereshit bara Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bishvil. Israël, tu crées Bréchit. Donc si tu enlèves Israël, il n'y a plus de monde. Mais il s'en fout. On va partir tous les deux, mais on partira ensemble. Faut que je t'anéantisse. Et c'est ça Amalek. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait mort. Donc c'est pour ça qu'il dit le Rambam qu'on va sortir à se faire toi. Ok. Et là, on termine avec ça aujourd'hui, mes amis. Mais Shabbat Zachor. Puisque le Shabbat Zachor, c'est se souvenir de ce qu'a fait Amalek. Et Amalek, qu'est-ce qu'il veut faire? Encore une fois, il a volé le dernier hé du trône céleste. Amalek, tout son but, c'est nous détacher d'Akadosh Baruch Hu, nous détacher de Yud-Kevavke. Tu as prié énormément, tu étais à Ranana, tu étais à la synagogue, et tu étais là le cours du mercredi, tu étais là le cours du machin, tu étais là le matin, et tu as pris.
Tu vas aller en vacances à Dubaï, tu vas aller à Paris pendant 5 jours, tu vas aller à Louba. Amalek, ce qu'il veut, il veut te détacher du Rabbi Shalom, il veut te détacher du maître du monde. Pas te détacher, attends, parce que ça, attention, comme on a dit 1000 fois, 1 milliard de fois, il dit le Wacha Ekin, ça je Wacha, tomber dans la boue, c'est humain. Il restait, c'est animal. De glisser, de tomber, comme on l'a dit, ça peut arriver, il faut se le relever, mais je ne recommencerai pas. Ça arrive. Amalek, c'est pas ça, Amalek. Amalek, il veut te faire perdre tout ce que tu as pris. Tout ce que tu as pris comme Doudoucha, tout ce que tu as pris comme Torah, tout ce que tu as pris comme Mitzvot, il veut les enlever tout simplement de toi. Il veut te les voler, il veut te les prendre, il veut te détacher d'Hachem, te détacher d'Akadosh Baruch. Qu'on arrive là-haut tout nu. Comment ? Qu'on arrive là-haut tout nu. Exactement, nu de Mitzvot, nu de Torah, ni d'Adieu Akadosh Baruch. C'est ce qu'il veut. Amalek, c'est la guerre totale, encore une fois, au niveau matériel, mais si vous voulez, au niveau spirituel. Amalek, il ne va pas te faire faire. Une petite avéra, si on prend, elle va te faire flirter avec l'avéra. Amalek va te présenter la belle avéra. En vérité, comment ? Qu'est-ce qui nous détache d'Hachem ? Tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va nous détacher d'Akadosh Baruch Hu ? Comment est-ce qu'Amalek réussit à nous détacher d'Hachem ? Le doute, le remords. Il a fait le doute. Le safek. Tu doutes. Et c'est quoi le doute ? Quand est-ce que tu doutes ? Safek, Amalek. Quand est-ce que tu doutes ? On n'est pas sûr de qu'est-ce que c'est le doute ? Manque de quoi ? Des mouna. D'où tu vois ça ? D'où tu vois ça ? Je suis de partout. Non mais d'où tu vois ça ? Non, mais fourrage de Malek. De partout. Elle est pas mal. C'est pas ça mal. De la Torah. Comment je l'ai dit, c'est ça ? D'où tu vois ça de la Torah ? Comme Malek, c'est ce qu'il veut. D'Hachem. Comment déjà ? T'as doute, t'as doute sur tout. Sur ta parnassa, sur Hachem, sur ta ferme, sur tes enfants, sur tout ce que tu es, tout machin. Tu es là, je cache beaucoup. Blié mouna, choum d'avoir. T'as plus émouna en rien. T'as peur. Nous ? D'où tu vois ça, Amalek, des tâches de l'Emouna, ça fait des tâches de Dieu. Allez, vas-y toi. Qu'est-ce qu'on lit le Shabbat matin, le Shabbat? Qu'est-ce qu'on va lire pour Rim le matin? Mais le Megillah. Pour Rim le matin. Ah oui, non, mais. Je sais pas. Si je me trompe pas, mais bien sûr, c'est pour Rim le matin. On va pas lire Zachor. Qu'est-ce qu'on lit? Megillah. Béchalach. La fin de Béchalach. D'accord? Qui y a dans Kessia, Michel Hashem, Amalek. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? L'homme Israël sort d'Égypte. Une mise d'ordre, d'accord ? Il a fait, l'homme Israël sort d'Égypte, et là, ils vont encore se rebeller contre Hachem. Première fois, ils se rebellent contre Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il nous dit, mon cher Abenou ? Im yesh Hachem bikir benu, imaim. Est-ce que Dieu, il est là ou il n'est pas là ? Et tu dis, va y avoir Amalek, l'Ilachem et Israël. Tout de suite, le passage qui est juxtaposé, il est sorti Amalek pour combattre Israël. C'est quand même pour la juxtaposition. Rachir amène là-bas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit juste avant ? Aïm Yachachem Bikibenu Maïm. Bon, Dieu il est là, il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait là ? Quel doute ? Il ne va pas te redouter un peu ? Est-ce que Dieu il est là ou il n'est pas là ? T'es là ou pas ? T'existes ou pas ? Qu'est-ce qu'il vient ? C'est Amalek. Le corps d'Amalek, ce n'est pas de te faire tomber trébucher. Amalek, il veut te détacher d'Akadosh Baruch Hu. Alors fais très attention quand tu voyages. Fais attention quand tu n'es pas dans ton élément, comme le poisson qui n'est pas dans son nom. Va dans un aquarium. Fais attention à ça. Le danger est encore plus grand. Faut être encore plus fort. Encore plus sur le qui-vive. Parce que qui vivra verra, fils. Fais attention. C'est pour ça, mes amis. Surtout les bourgeois. C'est pour ça, mes amis. Annule. Regardez ce qu'il dit, on termine avec ça. Béchabat Zachor. Ça va ou t'es pas là? Attends là. Béchabat Zachor. Izaher à Adam Meod. Lishmor le Kayem. Bechol Choltoi et à Shabbat. Bechol Choukea. Klalea ou Pratea. Shabbat Zachor, toute l'année bien sûr. Mais encore plus que d'habitude, mon Denis. De garder le Shabbat de toutes tes forces. C'est pour ça qu'on fait avec Shabbat toutes quoi. Les. C'est pas Zachor qu'on fait Shabbat. Ah ouais c'est ah, c'est lourd. Oui, bah, ah, je sais pas quoi. Tu l'as pas dit, mais c'est un groupe. Si. Tu vas aller, tu il y a des surprises. Parce que, attends, parce qu'après, même pas un mois après, il y a encore un autre. Shabbat Agadol. On peut pas annoncer tout. Ah, il y a des surprises. Mais non, attends, ah, ça avant, ça avant, ça. Ça avant de ça. Je vais vous dire, vous ne faites pas ça parce que. Ouais. Et donc, après, c'est bien ça. C'est bien. Très bien. C'est pour ça, mes amis. C'est pour ça, mes amis, qu'il va falloir regarder Shabbat comme il faut. Comme il faut. Être prêt à ce Shabbat-là. Avec les chants de Shabbat. Parce qu'Amalek, la Emouna, comment est-ce que Rabbi Chaim. Non, c'est ton père, Rabbi Chaim. Mon père, c'est vrai. Toi, c'est ouais. Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov. C'est pas grave, c'est bon. Hein.
Rabbi Yaakov, c'est pour ça que le meilleur moyen de combattre le Safek, Amalek, pour garder la Emouna, pour avoir la Emouna, on l'a dit, on dans la dar, c'est quoi? C'est la Simcha Tzadik. Kol David Rachamana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et j'ai pas de Safek sur ça. Tout ce que Dieu, c'est pour le bien. Et tu le verras, tu vas le voir de ton vivant que c'est pour le bien. Et donc, faire attention, mon tzadik, ce Shabbat Zachor, de le garder comme il faut avec les chants, avec la Simcha, avec ce qu'il faut. Pas mal dans les chants. Veshelo yavor al shum davar shesh bo sarah chilut Shabbat. Attention de ne pas profaner que ce soit du Shabbat. Attention. Sois pas, mais attention. Attention. Et surtout, la plus grosse maca, Rabbi Julien, la plus grosse maca, ne pas parler à la synagogue. Ne pas caloutroche, ne pas avoir une légèreté d'esprit à la synagogue. C'est un petit bête amigdash. Qu'est-ce que tu te permets de faire le malin? Qu'est-ce que tu te permets de parler? Qu'est-ce que tu te permets de faire la folle? Calme-toi! Qu'est-ce que tu fais? Hey, ça me va bien! Hein. Pourquoi tu regardes? Ça va bien! Je pense que ça va bien! Quel rapport? Pourquoi tu regardes? C'est bien que vous m'avez la main comme ça! C'est jaloux! C'est rigolo! Julien, non, c'est pas moi! J'accepte pas, je sais pas mon Yoni. Moi j'accepte pas. Non. Bon, mais il a entendu quand même. D'accord ? Faire très attention à ça. Mais à la vente, c'est pas possible. Moi c'est Gilbert, il peut partir. Tu ressembles à Jacques Benny. Encore plus, mon Rabbi Moshe, de ne pas parler à la synagogue pendant ce Shabbat. Faire très attention à ça. Vechenizel, les Chabdam et les Hangak, les Karaoui. Et ce Shabbat-là, voilà, regarde, j'ai appris une nouvelle extraordinaire. Faut les Hangak et les. Les harnais, délicatesse, délicieux. Délecter le Shabbat, pas se délecter. Faut les harnais et un Shabbat, faut délecter le Shabbat. Les gens ne comprennent pas. Faut délecter le Shabbat. Comme il faut encore plus. Va acheter des gâteaux, va acheter une omelette norvégienne, va acheter des salades en plus. Ou que ta femme lui fait des salades en plus. Va, je sais pas, t'as compris ce que je veux dire? Va acheter pour ce Shabbat là. Un petit truc nouveau pour Shabbat. Bah, des bougeoirs en kessef pour Shabbat, Zachor. Va, en kessef pur, va à Sorfim. C'est pas nous qui gardons le Shabbat. C'est le Shabbat qui nous garde. C'est pas possible. Rends-lui au Shabbat, donne-lui au Shabbat. Encore plus le Shabbat, Zachor. Et tu sais ce qui va se passer si tu fais ça? Non seulement tu vas être machlish, tu vas diminuer la force d'Amalek dans l'Olam, et plus que ça, en toi. Donc Bezrat Hashem, mes amis, se préparez. Zarek.